Bonjour monsieur, plutôt au revoir. Qui vous a demandé d'avancer? Personne. Vous retournez dans la file. Monsieur, là c'est à vous. Vous pouvez vous avancer. C'est pourquoi? Quatre timbres? Et avec un s'il vous plaît, ce serait encore mieux. Aimabilité, hein, les gens. En voilà 4. 25 euros, s'il vous plaît. Eh oui, les prix ont augmenté chez la Poste. Que voulez-vous? Au revoir. Monsieur, bonjour. Vous voulez récupérer votre colis, hein? Ok. Quel nom? Monsieur Sommier? Vous venez récupérer un lit? Ne l'ai pas en réserve. Il n'est pas arrivé. Il n'a pas été livré. Comment ça, si vous avez reçu un mail? Ben écoutez, je ne l'ai pas en réserve. Oui, je peux quand même aller voir. Il est arrivé. Il va falloir une pièce d'identité, s'il vous plaît. Et le QR code que vous avez reçu par mail. Oui, c'est bon pour la carte d'identité. Vous n'avez pas le code? Ah ben non, bah moi sans code, je peux pas vous le délivrer. Ah non, 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 moi il me faut que je scanne le code, c'est obligatoire. Je peux pas vous délivrer le colis sinon. Bah tant pis, vous repartez avec le code, moi je peux pas. Je le garde. Au revoir. Ah bah vous pouvez gueuler, hein. Ce sera la même chose, hein. Au revoir, monsieur. Bonjour. Non, c'est pas passé. Oui, il faut repasser la carte. Oui, je vais à la gare. Il va s'asseoir à l'autre au fond là! Bonjour, vous allez bien? Oh ben ça va, hein? On y fait aller, hein? Qu'est-ce qu'il vous fallait? Une baguette? Celle-ci, pas trop cuite, comme d'habitude, hein? Oh, qu'est-ce qu'il fait froid en ce moment? Oh, ben c'est impressionnant, hein? Ah, pour allumer pas le chauffage dès maintenant, parce que là on va payer, hein? Ah, ils nous taxent, ils nous taxent, ils nous taxent. Ah, puis j'ai vu que ça y est, ils vont nous couper le chauffage, l'électricité, ils vont tout nous y couper cet hiver, tiens, hein? Ouais, oh, je suis pas sûr qu'à l'Élysée, sauf à 19 degrés, hein, ouais. Ah oh, ben, je voudrais bien y voir, ça. Oh. Indice, s'il vous plaît. Ah ouais, je vous jure, merci. Et voilà, 10, hop. Voilà, oh ben non, mais ça sonne, hein. Ils vont nous plumer jusqu'à l'os, plumer jusqu'à l'os. Allez, bonne journée à vous, au revoir. Monsieur. Une chocolatine? Ah non, pas de ça chez nous. On fait des pains au chocolat éventuellement, mais pas des chocolatines. Un pain au chocolat? Bah ouais, mais faut en payer les bons termes, hein. Avec ceci. Une baguette? Il n'y en a plus qu'une, hein. Vous n'avez pas le choix. Ce sera tout? 2,30, s'il vous plaît. Et voilà 20. Bonne journée, au revoir. Madame, c'était pour réservation de gâteau. Oui, je me reconnais. Alors, c'était déjà réglé, hein, c'est ça? Madame Picard? Ouais, je vais aller voir avec le pâtissier. Bonjour, bienvenue. Vous avez une réservation dans notre hôtel? Oui, à quel nom? Monsieur et Madame Robert, d'accord, je vais garder ça. Pour 2 nuits plus petit déjeuner compris, c'est bien ça? Super. Alors, voici votre carte pour accéder à la chambre d'hôtel durant la totalité du séjour. Elle est magnétique, donc il se peut qu'elle se démagnétise avec les ondes des téléphones dans les sacs.
Si cela se produit par malheur, n'hésitez pas à nous la rapporter à la réception, on vous la changera, d'accord? Votre chambre, c'est la 305, elle se situe au troisième étage, au fond du couloir, à gauche. Vous pouvez y accéder par ascenseur qui se situe sur ma gauche ou par l'escalier qui se situe sur ma droite. Pour les petits déjeuners, c'est de 7h30 à 9h30, au-delà, on ne sert plus, dans la grande salle qui se situe juste derrière moi. Pour la piscine, c'est derrière la grande salle des petits déjeuners. Attention! On ne se travaille pas en petite culotte ou en maillot de bain dans l'hôtel, tenue correcte exigée. Donc, merci de vous vêtir pour aller à la piscine. D'accord. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas. La réception est ouverte 24h sur 24. Bonjour. €70,82. Par carte, allez-y. Au revoir. Bonjour, bienvenue chez McDonald's. Je vous laisse patienter deux petites secondes, s'il vous plaît, merci. Voici votre petite caisse, votre commande marque le numéro 65. Je vous laisse avancer au prochain guichet pour la récupérer. Belle fin de journée à vous, au revoir. Je vous écoute. Best of, Maxi ou pas? Maxi. Frites Coca? Ice Tea Potatoes, d'accord. Le sandwich? Non, 280 original, on fait plus, c'est le M qui le remplace. Avec bacon? Ok. Avec ceci, un petit wrap? Avec ceci, ok, ça vous fera un total de 19,95€ arrivé à la prochaine borne. Vous réglez comment, monsieur? Par carte, 19,95€ au prochain guichet. Bienvenue chez McDonald's, un instant, s'il vous plaît. Bonne fin de journée à vous, au revoir. Bonjour. Ça vous fera un total de 1,37€, s'il vous plaît. Vous réglez comment, madame? Par carte? Allez-y. Séverine pour la caisse 3. Séverine, s'il te plaît, tu viens me remplacer. Je vais en rayon. Merci. Votre ticket de caisse. Au revoir, bonne journée. Bon, puis ça va, toi, Corinne, avec les CP, pas trop dur cette année? Ouais, bah oui, tu passes des petites sections de CP, là, c'est, ça y est, hein, la grande étape. Faut les apprendre à lire et à compter. bah, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Moi, cette année, bah, CE2, ils m'ont foutu. Ouais, CE2. Bon, ils sont sympas. Ça va. À part le vendredi soir, mais bon. Hein, ça, je pense que c'est toutes les classes. Bon, allez, on va peut-être y aller. Les garçons, vous avez entendu là? On s'enlève des marques d'escalier, on va se ranger, s'il vous plaît. On se voit à la pause, salut. Chut! On rentre deux par deux. C'est toujours les mêmes qu'on attend là. Allez, rangez-vous. Les cartas, c'est sur le dos. Allez, on y va. Chut! Dans le calme. Dans les couloirs, on ne fait pas de bruit. Ah oui, donc ta mère, elle est en maison de retraite. D'accord, bah pas la mienne. Alors du coup, elle a insisté pour qu'on y aille manger avec mon mari et mes trois enfants, là, dimanche midi. Oh, bah, elle avait fait raclette. Hey, qu'est-ce qui se passe là? Je parle avec une adulte. Vous attendez deux secondes? Elle avait fait raclette parce que c'est vrai que... Oh, qu'est-ce que ça a baissé les températures? 5 degrés ce matin quand je suis monté dans la voiture. Oh, on se les caille. Oh, là. C'est quoi le souci là? Pourquoi elle t'a tapé? Rachel, pourquoi t'as tapé Méline? Parce qu'elle ne voulait pas jouer avec toi? Est-ce que c'est une raison valable pour taper les gens? Non, il ne me semble pas. Rachel, tu vas t'asseoir. Méline, tu peux aller jouer. Tu vois ma fille, elle est rentrée à la fac là. Elle est rentrée, ouais, fac de lettres. Ben, ils ont cours le samedi après-midi. Ça craint. Hein. Kevin, viens voir. Viens me voir.
Est-ce que tu peux aller voir maîtresse Odile qui est en salle des professeurs et tu dis que maîtresse Catherine a besoin d'un café avec un petit sucre? Je te remercie, c'est gentil. Merci Kevin, c'est gentil. Bah, il est chaud. Je te remercie. Tu auras un petit coup en plus, un petit bonhomme vert. Il est gentil ce gamin, je l'aime bien. Hé, moins de bruit dans les couloirs, on a dit. On rentre en salle de classe, je ne veux plus entendre un mot. Vous posez vos manteaux sur les porte-manteaux et vous rentrez dans le calme. My name is Alice. Repeat after me. My name is... Oui, Théo. Ça va pas mieux? Non. Ilona, tu viens surveiller, s'il te plaît, tu te mets à ma place. Tu mets des petites croix aux camarades qui font du bruit, d'accord? Viens, Théo. Chut, je veux rien entendre les autres, hein. Allez, viens. Assieds-toi, Théo, assieds-toi. Si tu veux un verre d'eau, n'hésite pas. Qui c'est que je peux joindre? Mamie? Papa, il travaille? Maman, elle est à la maison? Bon, essayez maman. Oh, il était bouillant. Oui, bonjour, Madame Vernier. Oui, c'est la maîtresse de Théo. Oui, je vous appelle parce que Théo, il se sent pas très bien depuis ce matin. Voilà, là, je viens de toucher son front. C'est vrai qu'il a un peu de température. Donc, c'était pour savoir si vous pouviez passer le récupérer. Ouais? Ok. Bon, bah super. Merci, à tout à l'heure. Au revoir. Bon, ta maman va venir te chercher dans 10 minutes. D'accord? Tu restes en salle des profs et je vais retourner avec les autres. D'accord? Il y a maîtresse Catherine qui est là. Merci d'avoir regardé la vidéo, mes gamins. Si elle vous a plu, vous pouvez commenter, sinon vous vous abstenez. Je veux pas de rageux, moi. Ah, vous pouvez vous abonner aussi. Voilà. Subscribe. Oui, je crois que ça se dit comme ça. Ça veut dire abonnez-vous en français. Voilà, c'est gratuit, donc n'hésitez pas. Hein. Allez, bisous, bisous. À dimanche prochain pour une nouvelle vidéo.